Bonjour tous les amis de la presse. Après-midi, la direction générale nous a invité pour nous couvrir une conférence de presse. Côté la police, pour aller présenter point ça. Rentrer l'école et dispositif sécurité qui prend. Opération marché prend yo. Bilan opération marché prend yo. Et quelques opérations la police rive mener. N'a passé pour qu'on y a un dossier rentrer l'école. PNH l'a rappelé tout le monde. Que mission li, qui se servi à protéger la population, rete yon attachement, yon obligation, yon devoir pour toute institution, pour chaque grain policier. Commandant chef la salue tout parent qui consentit en pile j'effort pour voir petit yon l'école, Anissa. Et au commandement, renouveler engagement li pour le bail population en protection. Très souvent, de voir ça qui se servir et protéger la population paraît difficile, surtout dans la conjoncture politique. Yo. Et commandant en chef là, M. Léon Chol, invite tout policier qui a mis ligne la loi et règlement police là-bas pour faire travail. Jean la loi m'a dit pour faire ça. Il y a un plan sécurité qui rentre en application dans l'occasion de rentrer l'école là. Côté présence la police renforcée dans l'environnement tout côté qui gagne l'école. Côté DCPR, qui c'est Direction Centrale Police Routière, avec Edupol, yo ap la pour accompagner élèves yo et parents. Conducteur, yo mande yo tout pour faire preuve de prudence et puis limiter excès de vitesse yo. Surtout dans la zone côté qui gagne l'école. Policiers qui affectés dans la direction centrale police routière recevoir instruction pour sanctionner tout le monde qui pas entendre respecter règles de circulation. Côté, yo fait ça yo vle et provoquer embouteillage. Camion yo pas ka circuler dans heure de pointe yo. Sorti 6h pour arriver 9h dans matin. Et 3h après-midi pour arriver 6h après-midi. 3h pour arriver 6h après-midi. C'est que 6h du matin, arriver 9h du matin. Là, pour prendre encore 3h pour arriver 6h après-midi. Et tout le monde qui refusait entendre, respecter ça, tout camion, tout conducteur camion qui pas respecté ça, il a tombé en bas contravention. Opération marché prend yo. Recommandement police nationale la lance une opération qui baptise marché prend yo. Opération ça a décrété sous tout département yo. Opération ça a gen pour principal objectif. Kwape tout bandit qui pensait yo capable faire ça yo vle dans terroriser population. Rétablir l'ordre et sécurité dans zone tension yo. Rete présent dans tout axe principal yo. Monte opération dans tout côté qui gen foyer gang ka boujonne. Bilan opération marché prend yo. Soti 1er août rive 20 septembre dans cadre opération qui baptisé marché prend yo, la police rive procéder avec arrestation 1250 individus pour association de malfaiteurs, vol, viol, détention illégale d'armes. N'a pas mis moun qui arrêté yo, gen 4 qui arrêté pour kidnapping. N'a fait nous connaît. Pour koulia, non moun sa yo, à qui dossier kidnapping yo te impliqué, la police choisit pour qu'on parle de ça, pour bien enquête là. Genye 26 âmes qui rive saisi. Genye 21 voitures qui rive saisi. 3 camions, 54 motocyclettes. N'a souligné motocyclette ça yo gen pile ces motocyclette yo volé nan men l'autre monde et yo distribué le bay l'autre jeune garçon qui pou faire taxi et qui pral servir antenne pour bandi et gen plusieurs bandi qui rive stoppé. Quelques interventions la police rive réaliser nan Jérémy, c'est dans cadre opération marché prend yo nan Jérémy gen opération qui te mené côté la police rive saisi yon fusil d'assaut M16 avec yon 38,
dans mes bandits, il y a 6 parmi eux qui sont arrivés à stopper. Dans la date qui était 17 pour arriver 20 septembre, la police fait plusieurs interventions dans le coin des bouquets. Côté te gain plusieurs échanges entre la police et plusieurs bandits. La police arrive à saisir un camion que les bandits ont utilisé dans le marché tabac. Yon pick-up que plusieurs bandits ont aboli, te couru quitter. Pendant yon t'a échangé avec la police, yon couru quitter yon dans la machine yon t'a aboli. PNH te gen yon policier qui blessé malheureusement dans l'opération ça. Gen plusieurs bandits qui te stoppé. N'a performé, gen 35 motocyclettes qui te rivé saisi. Gen 75 moun qui interpellé. Gen nan parmi yo, la police te gen information sou yo déjà. Et la police a privé travail sur ratio pour konn ki moun yo yé. Et nous-mêmes, nous pral gen pour informer de qui moun yo te joine parmi yo. Dans le sud pays, la police rive procéder avec arrestation 3 bandits. Selon l'information, bandits ça partagé, yo fait konn yo te sorti dans village de Dieu et yo te allé dans le sud pays pour y aller fait pour yo te allé faire un zak. Et yo te rive retirer la vie de citoyens qui c'était Périclès, Claude et Roselyne Pierre. Yo te rentré ka individu sa yo, yo retiré la vie. Moun sa yo ki t'a fait zak sa, c'est Chenet Destiné, 29 ans, Ronaldo Jusma, 22 ans et Paul Guess Forestal, 40 l'année. La police t'est informée et la police lui-même t'est doublé le vigilance. Elle était chercher moun sa yo tout partout. Dans la camionnette, à bord taxi, à bord moto, tout le monde qui t'a passé, il était cherché. Il dérivé mettre main sur trois individus. Yo même, yo te porté zam, yo te fin faire zak ça dans un gros galon jaune. Tant que tout le monde qui va l'acheter gaz et c'est dans galon ça, yo te porté zam là. Et personne moi va pas prévé comprendre en dans galon ça, te ka gen zam pour yo porté. Et yo te jwenn l'autre bagaille tout en dans galon ça. Tant que chaîne, téléphone et l'argent que yo te prend côté yo t'allé à qui t'est en dedans dans galon ça. PNH a attiré attention tout le monde. Dans zone provinciaux, dans capitale là. Là où un monde quotidien suspect bon la caillou, informer la police. Moun tout le monde t'est ouais monde ça au vin dans zone là. Yo ouais suspect, yo pas dit rien et mal est arrivé. Là nous un monde qui suspect, informer la police. La police rivé saisi dans date 20 septembre un véhicule Toyota Hilux de couleur noire numéro IT04944 propriété de Vitelom. Toujours dans cadre opération marché prend yo. BLTS rivé procédé avec arrestation 5 individus pour trafic de stupéfiants avec plusieurs kilogrammes de produits assimilés à cocaïne et marijuana. La police rivé arrêté gain deux parmi eux. La police rivé arrêté na aéroport Port-au-Prince. C'est Michel Lapointe et Edner Remy qui t'a pensé camoufler produit ça yo en dans valise que t'a voyagé. Mettez sous ça, yo mettez en dans soulier qui t'en dans valise yo en bas semelle soulier ça yo. Heureusement, la police rivé vérifier bagage moun ça yo, li joine produit ça. Gain deux l'autre individu qui c'est Sino Benson et Polo Amos, la police rivé procédé avec arrestation et avec 5,65 kg de paille assimilée à marijuana. Yo t'a transporté sur yo. La police rivé procédé avec arrestation et l'autre individu qui relé Julanor Petit avec 13 kg de marijuana que l'État a transporté. La police a continué travail, l'a cherché tout le monde qui impliqué dans mauvais actes. Nous-mêmes, dans la population et de la police. Pendant que l'autre monde a marché déstabiliser le pays, la police a continué le travail pour aider à garder un climat de paix et de sérénité dans tout le pays. La presse, citoyens conséquents, parents, en aide de sauver le pays. Nous avons des problèmes de société. C'est nous-mêmes qui pouvons changer. Ce n'est pas le pays qui a changé. Mais c'est nous-mêmes, les gens qui vivent dans la société, c'est nous-mêmes qui pouvons changer. En nous changer le comportement, la façon nous penser, la façon d'agir, laisse ça, nous avons l'autre pays, nous avons l'autre société.
Merci. Merci. Merci beaucoup. Moi-même, c'est Jean-Jules Les Augustes. Je travaille pour Radio Télévision Métropole. Madame la porte-parole, on ne va pas vous demander d'entrer dans les détails, mais sur la rumeur a fait croire qu'il y a deux policiers qui ont été kidnappés. Est-ce que vous êtes capable de confirmer Zach kidnapping ça pour nous, même si nous ne va pas demander d'entrer dans les détails, question de stratégie, sans vous passer, sans passer aux mots qu'il faut pour répondre, évidemment. Merci beaucoup. Je nous ai dit, là, on a commencé à. Les dossiers kidnapping, nous ne choisissons pas pour entrer dans le détail là-dedans. Et nous, même la police, nous faisons un travail sur dossier, tout dossier kidnapping, la police a venu là pour porter en détail chaque dossier, là où terminé. Merci. Deuxième question. Moi, c'est Joubert Joseph, je travaille pour Radio Kiskeya. En fait, il y a des rumeurs qui t'a fait croire que la police a fait un massacre soir dans Ravine Pintade, côté de jeunes garçons, tu as fait une vidéo avec des faux armes. Quelle information la police a sur ça? Merci. Information qui arrive à nous. La police, pendant la fait patrouille, tu as une patrouille qui t'est trouvée dans la zone de la lue. Il y a plusieurs citoyens qui sont allés joindre les policiers qui étaient dans la patrouille, qui informé. Il y a plusieurs jeunes garçons qui avec Zam nan men yo, nan rue Alexis, en zone qui est la Ravine Pétade. La police lui-même te fait diligence, il est arrivé sous lieu. Il est arrivé, il jeune effectivement, te gen un nèg qui gen Zam nan men yo. Pendant la approche tout, il tend des détonations. L'obligé mandé renfort, te gen l'autre renfort qui arrivé à jeune policier sa yo. Et te gen l'autre détonation yo te arrivé tendé. Il est approché avec renfort qui arrivé jeune yo. Yo obligé te tirer sou moun yo te wè ki gen zam nan men yo. Et lè yo te fini, yo te rele juge de paix. Constat te fait. Et yo après constat, yo joine zam sa yo te nan men moun sa yo. C'est une enquête qui a déterminé si c'était bon ou bien mauvais zam. Mais la police lui-même, pendant l'été pral fait intervention, li pa ta ka déterminer si c'était bon ou c'est mauvais zam. D'accord. Troisième et dernière question. Et nous disons bonsoir. Nous sommes ici Oriol Jacquelin. Je travaille pour Radio RCH 2000. Et question par maintenant, et madame. Et par rapport à l'insécurité, nous connaissons qu'a fait la rage dans tout le coin du pays. Comment la police même compte et contrôler ou soit aider les gens qui sont et côté qui vraiment intouchable, yo aller l'école par rapport à l'ouverture de l'école. Comment la police qu'a aidé moun sa yo, ou soit aidé parents sa yo, qui pas qu'a déplacé à l'enfermé qu'à l'autre côté, qui nan ghetto yo, qui nan côté qui pi danger yo, aidé parents sa yo, voye ti moun yo l'école. Merci. Merci. Cette opération marché prend yo, c'est peut-être ça la police, ouvre yon opération marché prend yo. Nous même population, aidé la police, j'en plus information. Et nous gagnons police routière, nous gagnons Edupol. Nous avons toute la police là qui met ensemble, qui peut aider les parents, les élèves, reprendre chemin l'école. Et nous-mêmes, les gens qui ont mis en main, aider la police à parler. Aider nous parler pour nous dire non, ça n'a pas qu'à continuer dans le pays. Merci.